Ils sont médecins, ingénieurs, hommes d'affaires ou PDG d'entreprise. Tous originaires de la ville de Tripoli. Ils participent cette fin de semaine à une conférence sur l'avenir de la jeunesse tripolitaine. L'événement se déroule sur le campus régional de l'Université arabe de Beyrouth. En présence de personnalités locales, d'économistes, de professeurs d'université et de journalistes. Nous sommes Alpha, hommes d'affaires libanais de France. Nous sommes, si vous voulez, une poignée de Gaulois, une trentaine de Gaulois, on appelle ça. Ce sont des jeunes qui sont des élèves qui sont sortis de Polytechnique ou bien de HEC, qui ont rejoint le groupe. Moi, je suis à l'origine du groupe. Bon, c'est peut-être ma dernière année de présidence. On va leur confier les rênes. Et eux, si vous voulez, ils aiment le Liban et ils travaillent pour le Liban. Ils m'ont beaucoup aidé, même à distance, pour ce projet. Et ici, vous en avez une douzaine qui sont venus spécialement. Dans un contexte de crise économique, la mobilisation de la diaspora apporte de l'espoir aux jeunes de cette ville, désabusée, réduite le plus souvent à l'oisiveté, faute de travail et de perspectives d'avenir. On va essayer de faire quelque chose nous-mêmes, de créer, si vous voulez... Et c'est l'objectif, et vous avez vu qu'il y a des personnalités qui sont venues de l'étranger, qui vont créer des plateformes, qui vont essayer de faire travailler les jeunes sur ces plateformes, leur trouver les fournisseurs de l'étranger avec qui ils vont travailler. D'autre part, même créer aussi un genre de International Chamber House. Ça, c'est très intéressant parce qu'on l'a fait avec la Chambre de commerce libanaise d'Australie à Melbourne. Que ce soit un point de passage pour ceux qui veulent aller à l'étranger, qu'ils ne dorment plus sous les ponts. C'est-à-dire, à ce moment-là, s'ils veulent aller à l'étranger, ils ont un annuaire, ils savent où aller, chez qui aller, qu'ils vont leur trouver du travail, etc. Le slogan qui a été utilisé pour, ce congrès-là, « Yes, we can », « Oui, on peut », et on peut toujours aider à redresser une région pareille grâce à des rencontres et des conférences qui vraiment sont une sorte de un genre de sensibilisation aux besoins de chaque région, aux besoins économiques, aux besoins touristiques, et comment vraiment changer l'image et le stéréotype qu'on trouve pour plusieurs régions qui sont vraiment négligées et délaissées par l'État libanais. Autrefois saluée comme la puissance industrielle du Liban, Tripoli est devenue la ville la plus pauvre de toute la côte méditerranéenne. Plus de 60% de la population vit dans une précarité chronique, exacerbée par une polycrise inédite et l'effondrement de la monnaie nationale.